Le 30 avril 1945, enfin conscient que la guerre qu'il a lancée 6 ans avant est perdue. Enfin conscient que son rêve d'un Reich de 1000 ans est foutu, Adolf Hitler se suicide, d'une balle dans la tête. Sa femme, Eva Braun, avec laquelle il s'est marié la veille, oui, la veille, choisit elle le cyanure. Ce double suicide se passe dans le Führerbunker, un bunker souterrain proche de la chancellerie, le siège du gouvernement allemand à Berlin. C'est dans ce bunker que le Führer s'est retranché avec des fidèles comme Martin Bormann et Joseph Goebbels pour mener la défense de Berlin. Parce que le 16 avril, l'armée soviétique a lancé l'assaut final sur la capitale allemande. Vu le déséquilibre des forces, l'issue de la bataille ne fait aucun doute, mais le Führer veut encore y croire. Le 17 avril, il déclare que les soviétiques connaîtront devant Berlin une défaite retentissante, c'est ce qu'on appelle avoir le moral, ou être complètement déconnecté de la réalité. Dans les jours qui suivent, Hitler lance des ordres de contre-offensive qui échouent avant même d'avoir commencé. Le 22 avril, le général SS Felix Steiner refuse même catégoriquement d'appliquer l'ordre de contre-attaque du Führer, parce qu'il est conscient que cet ordre est complètement irréaliste. Je ne vous raconte pas la crise que pique Hitler. Dans les jours qui suivent, le Führer apprend la défection de fidèles comme Hermann Göring ou Heinrich Himmler, il prend progressivement enfin conscience que les carottes sont cuites et il décide d'en finir. Les corps d'Adolf Hitler et de Eva Braun seront transportés dans les jardins de la chancellerie et brûlés à l'essence. 2 jours après, le 2 mai, les soviétiques entrent dans le bunker. Le même jour, Berlin se rend. Et au fait, qu'on parle de la bataille de Berlin, vous saviez que dans les derniers défenseurs du bunker de Hitler, il y a eu des Waffen-SS étrangers, dont des Français. Oui, des Français qui ont choisi de se battre pour Hitler sous uniforme SS. Mais ça fera l'objet d'un prochain épisode.